Avoir une tête pleine d'idées confuses, c'est souffrir. Dixit Jean-Paul Derdjoum. Jean-Paul Derdjoum est un jeune écrivain, un jeune chercheur universitaire. C'est lui qui sera sur le grill ce soir. Nous aurons 52 minutes d'échange, 52 minutes de balade littéraire autour de deux ouvrages. Le premier, c'est Tourment d'homme, et le deuxième, Désir d'autre chose. Le désir d'autre chose est un recueil de poèmes, et l'autre ouvrage, c'est Tourment d'homme, est un recueil de trois nouvelles, si on peut l'appeler ainsi, du même auteur, paru aux éditions Edilivre en France. Donc, une fois de plus, nous sortons avec votre émission, la énième sortie du genre. Chaque jeudi, et comme à l'accoutumée, vous aurez toujours votre balade littéraire dans les divers, dans les travers de la littérature camerounaise d'ici et d'ailleurs. L'auteur que nous recevons ce soir est un artiste, si on peut le dire, des lettres prolixes et qui se prépare pour vous donner quelque chose de très fort. Nous le découvrirons pendant ces 52 minutes. Merci de rester fidèle à Littérate et aux émissions de Canal 7 Harmonie. Je vous l'annonçais tout à l'heure, nous recevons ce soir un jeune auteur, un jeune écrivain, et aussi c'est un chercheur universitaire, on pourra dire, hein, à l'université de Yaoundé 1. Lui, c'est Jean-Paul II. Voilà, Jean-Paul II. C'est vrai que quand on s'arrête à Jean-Paul II, on pense à une éminence, hein, une éminence en termes de connaissance spirituelle, on peut le dire. Mais on y reviendra dessus puisque ça fait partie de ses travaux de recherche. Accueillons d'abord l'homme. Jean-Paul Dioum, bonsoir. Oui, bonsoir Junior Aïssi et bonsoir à tous les téléspectateurs de Canal 7 Harmonie. Bienvenue dans les studios du Canal 7 Harmonie. J'ai envie de dire que c'est moi qui vous remercie de cet accueil chaleureux et naturellement de me donner la possibilité de m'exprimer relativement à toutes mes productions et d'ici et d'ailleurs. Voilà. Vous êtes à l'aise? Ça va. Voilà. Alors, vous êtes Jean-Paul Dedjou, jeune auteur. Alors, qu'est-ce qu'on peut savoir sur vous? Qu'est-ce qu'on devrait savoir sur vous? De nationalité camerounaise, j'aime pas trop rentrer dans les attributs tribaux, mais bon, on peut en parler si vous voulez bien au cours de l'émission. Donc, je suis camerounais, Jean-Paul II, comme vous l'avez dit, on pourra revenir effectivement sur le prénom Jean-Paul II si vous le voulez au même moment. Enseignant dans quelques collèges de la capitale camerounaise et naturellement qui s'essaye à tenir une plume et à écrire. Alors, effectivement, vous avez dit qu'on devrait revenir sur ce prénom-là. C'est un choix personnel ou c'est celui que les parents ont accepté vous donner, ont choisi vous donner? Oh, mes parents beaucoup plus. J'ai envie de le dire, ma maman, elle est très religieuse et mon papa aussi l'était, paix à son âme. Et bien Est-ce évidemment. que le pape Jean-Paul II avait quelque chose de particulier dans leur existence? Oui, il a joué quelque chose de suffisamment particulier, d'où le choix effectivement de ce prénom-là. Je pense que c'est un certain hommage que mes parents ont voulu rendre effectivement au charisme de cet homme, au-delà effectivement de ses activités ecclésiastiques. On l'a vu dans le social, il a agi autant qu'il pouvait pour relever effectivement la cause des pauvres dans le monde.
Mes parents ont voulu certainement que j'incarne cet humanisme-là, et j'imagine que certainement au cours du reste de peu de vie qu'il me reste, bon, je Bah ferai maintenant, aujourd'hui, l'effort pour ressembler. est-ce que vous essayez de... Bon, pas essayer. Est-ce que vous vous reconnaissez en cet homme par le port de ce nom que vous avez? Est-ce que vos actions, lorsque vous marchez, la petite vie que vous avez, le petit chemin que vous avez déjà eu à parcourir, est-ce que vous vous sentez véritablement dans la peau de ce prénom-là, de ce nom-là? J'ai envie de dire que je marche et ce sont les autres qui me voient. On ne peut pas être effectivement à la fenêtre et on se voit passer Et on dans se la voit rue, passer, voilà. bien évidemment. Donc beaucoup d'autres pourront le dire pour moi, naturellement ceux qui me connaissent et particulièrement mes élèves, parce qu'avec eux, je pense que la relation d'ordre professionnel qui est effectivement la mienne, je la tiens Vous à êtes bon escient. rigoureux? Alors mes élèves pourront mieux répondre à ça, mais je Bon, pense que pour l'instant, ils c'est vous qui êtes parviennent. là. Oui, bien évidemment, je retiens que je suis là pour le moment, mais je pense que les rendements et les résultats ne trompent pas. Alors, il faut le dire, vous êtes philosophe de formation. Ah oui, une carrière philosophique à l'université de Yaoundé 1. Là, maintenant, je suis en train de peaufiner ma thèse doctorale et j'imagine que d'ici quelques jours, je l'aurai achevée finalement. Alors, pourquoi le choix de la philosophie dans vos études? Bon, je pense que le choix de la philosophie, parce que, pour vous dire vrai, ça c'est une question suffisamment intime. Dès que je termine effectivement mon BEPC, bon, il fallait remplir des fiches d'orientation au lycée. Du coup, je n'avais pas rempli ces fiches-là. Et comme tout le monde s'oriente dans des séries scientifiques, bon, on a jugé qu'il fallait que les faibles, dit-on, je ne sais pas trop À ce qu'on met dans parenthèse. faible, oui. On a reversé effectivement tout le monde là-dedans, alors que je pense que les moyens que j'avais à cette époque-là, naturellement, Vous confirmaient que je devrais effectivement permettez faire d'aller lancer. la série scientifique. Du coup, j'ai fait une seconde A où je n'allais jamais à la pause, une première A où je n'allais jamais à la pause, parce que effectivement, j'avais peur de suer le ridicule. Mais en terminale, dès que je fais 2 semaines de terminale et que je découvre effectivement la philo, je me dis, tiens, voici l'école. Je ne sais pas trop ce que les gens vont faire à l'école, mais voici l'école. Et du coup, heureusement, j'ai réussi à avoir mon bac avec tout ce qu'il fallait pour m'orienter en philosophie. J'y suis, j'ai envie de dire, j'y reste. Et je pense que tout ce que je suis aujourd'hui, c'est la philosophie, parce qu'elle m'ouvre toutes les portes. Je peux écrire en tout, partout et pour tout. Bon, maintenant, on considère la philosophie étant normative, c'est-à-dire qu'on a l'impression que c'est une science qui s'applique ou qui s'appliquerait, je préfère utiliser le conditionnel, pour un certain nombre de personnes, peut-être pas atteintes d'une certaine démence, mais quand on pense à Diogène qui cherchait l'homme avec la torche, est-ce que cette philosophie-là, si on peut dire, cette philosophie antique, s'applique encore à notre société de nos jours? J'ai envie de dire que beaucoup d'eau ont coulé sous les ponts et que la philosophie telle que comprise à l'époque, en tant qu'art de vivre, en tant que style de vie, beaucoup de choses ont changé. Bon, de nos jours, on a beaucoup plus affaire à des enseignants de philosophie plutôt qu'à des philosophes. Je veux dire, ce modèle de vie à la Diogène, à la Socrate, tout cela a changé. Le capitalisme triomphant a quand même modifié beaucoup de choses dans les habitudes, les attitudes et même dans les aptitudes des hommes. Alors, quelles sont les nouveautés de cette philosophie aujourd'hui? Quelle est la différence La de manière pratique? différence, c'est que hier, on écrivait ce qu'on vivait, effectivement, et On qu'aujourd'hui, était purement dans le normatif. bien évidemment, et qu'aujourd'hui, on écrit beaucoup plus pour que les autres appliquent. J'ai envie de le dire comme ça. La pratique philosophique. C'est-à-dire qu'on ne sort plus l'homme de la caverne juste avec les mots, mais on lui tend vraiment la main de manière pratique pour qu'il... La connaissance est liée ici au pain. À l'époque, effectivement, ces gars-là, ils avaient la facilité, effectivement, de se détacher réellement du matériel. Ils s'en détachaient et c'était la raison pour laquelle on a vu Diogène et les autres faire tout ce qu'ils ont fait. Mais aujourd'hui, avec le capitalisme triomphant, on a des responsabilités à gauche et effectivement des contraintes à droite. Et donc, du coup, il faut joindre, Une certaine effectivement. conscience sociale. Voilà, l'homme ne peut pas vivre en dehors de sa société. Émile Durkheim l'a bien montré, que l'homme n'est que ce que la société a voulu qu'il soit. Et puisque le social permet d'expliquer le social, on peut aussi donc se baser sur ce social-là pour expliquer effectivement l'écriture philosophique telle que pratiquée à notre époque. Alors aujourd'hui, vous êtes sur ce plateau en tant qu'écrivain et on va rappeler à nos différents téléspectateurs que vous aussi à la maison, vous pouvez participer à votre émission de littérature littéraire qui passe naturellement tous
les jeudis soirs sur Canal 7 Harmonie. Vous pouvez donc nous retrouver sur les réseaux sociaux également. Vous allez sur Facebook, vous tapez Littéa, Littéa, n'oubliez pas votre apostrophe, et vous nous retrouvez. Vous pouvez suivre aussi cette émission en direct ou du moins en streaming. Vous tapez Canal 7 Harmonie, Canal 7 Harmonie-Littérate ou slash littérate, et vous avez votre émission en direct, quelle que soit la zone géographique où vous pouvez vous trouver en ce moment. Et après la rediffusion, vous pouvez taper, si vous avez raté l'émission ce soir, vous pouvez taper sur YouTube, vous tapez Canal 7 slash littérate et vous avez votre émission. Vous nous retrouvez aussi sur WhatsApp naturellement et par SMS uniquement au numéro qui s'affiche au bas de l'écran. Notre invité de ce soir est Jean-Paul De Djoum, auteur de deux magnifiques ouvrages que nous aurons le temps de découvrir et de parcourir pendant cette émission. Le premier, Désir d'autre chose. Quel est le premier ouvrage parmi les deux? Désir d'autre chose. Désir d'autre chose. Oui. Paru aux éditions Edilive et ensuite Tourmandum. Alors, à l'intérieur de ces ouvrages, on découvre que vous êtes un poète. Bon, peut-être avant d'arriver à la poésie, philosophie et littérature, ça va de soi? Philosophie et littérature, ça va de soi puisque c'est une seule conscience qui s'exerce. Bon, mais non, on s'attendait quand même, lorsqu'on... un philosophe écrivain, on s'attendait à ce que les textes soient davantage, peut-être pas plus fiction, mais une fiction philosophique. Non, la philosophie, elle se veut beaucoup plus pratique. La philosophie, elle se veut d'attaquer des problèmes avec le réalisme qui va avec. Je veux dire que... On est toujours dans la dénonciation d'État. On est toujours dans la dénonciation d'État, mais avec une autre approche. Parce qu'en littérature, effectivement, tel que cela se doit de se dire, avec peut-être Césaire, il va vous dire que ma bouche sera la bouche des malheurs qui n'ont point de bouche. Mais quand on revient peut-être à Platon et la fameuse et le fameux mythe de la caverne qu'il a mis en évidence, on se rend effectivement compte que le philosophe, c'est celui-là qui doit redescendre dans la société au thème des dialectiques ascendantes et contemplatives pour expliquer effectivement aux autres ce qui est et ce qui se doit d'être afin de leur permettre de se libérer à leur tour. Donc, le caractère imaginatif, le caractère fictif, pas véritablement en philosophie. Et donc, la littérature permet effectivement à l'homme de beaucoup plus rêver. Et je pense que rêver, c'est ce qu'il y a de meilleur aujourd'hui quand on regarde effectivement toutes les turpitudes dont nous faisons face. Alors, vous vous considérez comme quoi? Un auteur engagé ou un auteur qui simplement a envie d'écrire et se fait plaisir, se délecte de sa passion? Je ne sais pas trop ce qu'on met dans écrivain engagé. Du moins, que... cet auteur-là qui dénonce avec fermeté, avec vivacité, avec peut-être un dynamisme à outrance, les mots d'une société. Bien, je pense que peut-être ici, il faut faire la part des choses entre l'homme et peut-être la pensée. La pensée, elle peut être engagée, mais est-ce que l'homme l'est? Bon, je me situe effectivement dans ces deux canevas. J'ai envie de dire que je fais... Mais est-ce que l'homme, ce n'est pas la pensée? Non, l'homme n'est pas fondamentalement la pensée. On peut écrire des choses auxquelles on ne pense pas. Parce qu'effectivement, notre imagination nous pousse à penser ceci ou à penser cela. J'ai envie de le dire ainsi. Donc, on peut écrire des choses auxquelles on n'y croit même pas du tout. Et vous allez voir effectivement que dans le monde du showbiz actuellement, beaucoup écrivent effectivement pour faire plaisir, pour se remplir les poches et non pas véritablement pour exprimer leurs convictions. Donc j'ai envie de le dire, je vis au Cameroun, j'observe la société camerounaise avec ses mutations et ses tribulations. Et autant que je fais ce peu, je m'arrange à écrire ce que je peux écrire. Je vis au cœur de tout cela et je ne peux pas vivre au cœur de cela sans être influencé par tout cela. Donc je pense que ma pensée, elle est beaucoup plus engagée que moi-même. Alors, une petite parenthèse, hein, permettez-moi de l'ouvrir. La société camerounaise est-elle encore normale? J'ai envie de dire qu'on peut définir d'abord le critère de la normalité avant de voir au même moment s'il y a normalité ou pas. Normalité, est-ce que véritablement ce qu'on vit au quotidien dans notre société nous permet de comprendre qu'en réalité on pourrait encore avoir certains fonctionner selon certains canaux universels? Si cette société était normale, le christianisme arrêterait et l'islam aussi cesserait d'exister parce qu'effectivement, et ils mettent en évidence l'idée du paradis et c'est au paradis effectivement que l'homme aura tout ce qu'il se doit d'avoir. Donc il y a comme une sorte de transfiguration de l'être dans le domaine du paradis.
Et donc, par conséquent, ça veut dire que la société terrestre, entre guillemets, société terrestre, est, mettez encore les guillemets, anormale. Elle est anormale parce que l'homme souffre. Elle est anormale parce qu'effectivement, Bon, corruption, des tribulations qui ne tribalisme, guerre, s'arrêteront pas. effectivement, bien évidemment. Mais qui, au fur et à mesure que le temps passe, présente de nouveaux visages. Ce qui se passait hier n'est pas fondamentalement ce qui se passe aujourd'hui. On a Donc, l'impression que ça va de mal en pis. oui, on va effectivement penser que cela va de mal en pis. Et c'est pourquoi, effectivement, vous pouvez constater cette effervescence religieuse dans notre société. Parce que, dit-on, le diable ou les démons sont de plus en plus là et tout est devenu spirituel à un Quoi de degré plus où... normal, puisque si on va l'appeler ainsi, leur père, Lucifer, à une époque, a été chassé de, selon vous, de ce paradis. Non, peut-être pas selon moi, selon ce que eux ils disent. Ce que le christianisme met en évidence, effectivement, c'est cela. Donc j'ai envie de le dire, plus le temps passe, plus le capitalisme dans ses ravages développe de nouveaux mécanismes pour asservir l'homme, pour détruire l'homme. Et nous vivons dans ça. Alors, c'est cette société-là que vous essayez de représenter avec, on va quand même le dire, une fibre caricaturale et dans des mots ou dans une forme de poésie dans cet ouvrage Désir d'autre chose. Alors, comment est né ce projet de Désir d'autre chose? Bien, je vais le dire ici. Je vous parlais tout à l'heure de ma vie lycéenne. Ma vie lycéenne a été fondamentalement marquée par l'écriture. J'ai commencé à écrire dès la classe de seconde parce que, véritablement, dans cette classe de seconde, j'ai eu un enseignant qui était suffisamment percutant, William Pascal Toa. Je profite pour le rendre un vibrant hommage, qui nous a initiés effectivement à l'art d'écrire, à l'art de lire et tout ce qui va avec. Et donc, du coup, il y a une radio, la radio Batcham, qui a impulsé effectivement nos talents à cette époque-là. Et du coup, on ne pouvait plus cesser d'écrire. Voilà. Du coup, tout le monde savait que j'allais faire les lettres au lendemain de mon baccalauréat. Et c'était une surprise. J'allais même dire une désolation pour beaucoup. Quand j'ai dit que je faisais philosophie, comme si peut-être la philosophie, il n'y avait pas les lettres là-dedans. Donc, tout naît effectivement à partir du lycée avec l'impulsion de Radio Batcham et voilà d'où nous sommes partis et jusqu'à aujourd'hui nous essayons encore d'écrire ce que nous pouvons écrire. Voilà. Alors, il y a un texte ici, peut-être avant qu'on ne dissèque, si vous me le permettez, la sexualisation de l'existence. On voudrait d'abord comprendre à partir de la thématique. Est-ce que c'est une figure de style ou alors vous le pensez dans sa formule propre? Je pense cela dans sa formule propre. Regardez dans notre société, il y a le sexe partout. Partout. Et de la même manière qu'il y a le sexe partout, le sexe, il faut le dire, qui est quelque chose de suffisamment sacré, on l'a banalisé aujourd'hui. Quelqu'un vous rend un petit service et la moindre chose à laquelle on pense, c'est comment est-ce qu'on peut le récompenser? Et pour récompenser la personne, on imagine effectivement une partie de jambes en l'air pour tout cela. Au point où même dans le domaine professionnel, où ce sont les talents et les compétences qui se doivent d'être promus, c'est le sexe finalement qui offre ceci ou qui peut offrir effectivement cela à qui bon. Et la dernière trouvaille, au-delà de l'homosexualité qui dérange de plus en plus, on parle des zoophilies, j'ai pas envie de parler de pédophilie en même temps. Donc vous voyez, le sexe, qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas, est partout. Est Qu'est-ce devenu qu'on le peut point bien faire? commun. Bien évidemment, ce qu'il faut décrier avec tous les mots qui vont avec, c'est pourquoi moi je parle que dans ce poème précisément, dont le titre est La sexualisation de l'existence, qu'on a tout sexualisé et il faut Et revenir voilà, à la tout norme. se sexualise. Et voilà, tout est sexualisé. Et voilà, tout s'est sexualisé. Et voilà, ils ont tout sexualisé, les médias, la science, la jeunesse et même le rectorat. Alors, vous ne pensez pas que vous laissez là le lecteur dans sa faim, sa soif? Oui, justement, s'il reste dans sa faim et C'est dans sa voulu? soif, oui, c'est bien pensé. C'est pour qu'il se questionne. On ne peut pas tout servir aujourd'hui. Non, chacun se doit d'utiliser effectivement son esprit critique pour prolonger la réflexion. Donc, oui, il faut que le lecteur reste dans sa faim parce qu'il doit Alors, lui-même pouvoir continuer la réflexion. arrêtons-nous quand même sur une thématique, la science. Vous êtes un homme de science. Est-ce que véritablement la science aujourd'hui n'est plus, je suis tenté de poser la question ou de dire, n'est plus pure? Bon, peut-être mettons plus dans des guillemets. Ou alors, est-ce que les résultats de cette science-là, est-ce qu'on pourrait encore accorder une certaine véracité aux résultats de cette science?
La science aujourd'hui, le domaine de la recherche pose beaucoup, beaucoup de problèmes. C'est pas moi qui ai demandé effectivement à Emmanuel Pondy d'écrire ce livre sur la sexualité en milieu étudiantin. C'est pas moi qui demande chaque jour à Messanga Nyamding de mettre sur la table la question effectivement de l'homosexualité entre les profs d'université et leurs étudiants. Non, c'est pas moi. Donc je pense que la science fait face au problème du sexe avec tous les harcèlements que l'on peut constater effectivement dans ce milieu-là. Et on doit se demander effectivement si la science est encore science dans la société camerounaise. Et par là, et vous pouvez bien le voir, tout est devenu suspect, exagérément suspect dans notre société. C'est-à-dire, dès que vous avez un petit diplôme là, on se demande, est-ce que son derrière est encore normal? Vous voyez, on doit se poser un ensemble de questions pour questionner effectivement l'orientation scientifique de l'existence des uns et des autres. Alors, un autre point sur lequel on va s'arrêter, un amour à risque. De quoi s'agit-il? Un amour.